Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche 22 août et nous allons faire le point sur la semaine numéro 3. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc vous allez voir deux, trois petits... comment dire? C'est très compliqué, ça a été très compliqué pour moi cette semaine. J'ai énormément de travail, plus toutes vos commandes, donc vous inquiétez pas, ça arrive au fur et à mesure. Et puis, par rapport à mon travail, je suis en train de changer de poste, donc qui sera effectif début octobre. Je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Donc effectivement, ça me rajoute une charge de travail supplémentaire. Voilà, donc je n'ai pas fait le petit, encore une fois, enfin, là pour le coup, je ne l'ai pas fait du tout cette semaine, le challenge défi porte-monnaie. Je suis pas très assidue ce mois-ci, j'espère que ça ira mieux pour le mois prochain. Donc du coup, voilà, il me reste 50, 60, 60, à peine 1 euro en monnaie, donc je vais les garder dans le porte-monnaie. Pour les repas du midi, je n'ai plus rien, il me reste 1,60 €. L'alimentation, donc j'ai été faire des courses, j'en ai pour 60 €, donc il me reste 30. Voilà. Je suis à la Action, donc j'ai dépensé les 10 €. Entretien et hygiène, j'ai eu besoin de racheter du dentifrice, deux, trois petites bricoles, donc j'en ai eu pour 5 €, donc je vais récupérer le petit billet de 5, donc il me restera 20 € pour finir le mois. Maison et jardin, je n'ai rien eu besoin. Donc il y a toujours les 20 €. J'ai complété donc à Action. C'était j'avais un petit anniversaire, donc j'ai été récupérer un petit truc pour une amie. Donc j'en ai eu pour 10 € et j'ai pu avoir deux billets de 5. Voilà, j'ai fait un troc avec une dame, avec la caissière. Et puis santé, je n'ai rien touché. Donc voilà en gros pour ce qui s'est passé. Et puis du coup pour carburant, j'ai remis le 18, 30 €. Donc je suis à 80 € pour ce mois-ci pour l'instant en carburant. Donc ce mois-ci, enfin ce mois-ci, cette semaine, 20, 30, 40, 45 €. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc on va remplir tout de suite le petit, la petite enveloppe, donc épargne du mois, on va mettre 30 € dedans. Donc, hop. Donc, ce qui nous fait 70 €. Hop, j'effacerai pour remettre au propre. Donc, tac, 20, 40, 50, 60, 70. Donc là, le compte est bon. C'est parfait. Ensuite, défi 5 € et eh bien 15 €. Ce qui nous fait 30 € pour le moment. Hop. Donc il y a bien les 3 billets à l'intérieur. Donc on est bien à 30. Donc voilà, j'ai été faire refaire mes ongles, mais c'était gratuit. C'est ma belle-sœur qui me les a refaits. Si tu passes par là, un petit coucou. Donc je n'ai pas touché à mon enveloppe, à aucune des autres enveloppes d'ailleurs, puisque je n'ai pas eu le temps et j'ai rien eu besoin. Donc voilà pour les épargnes. On fera peut-être un petit point du coup la semaine prochaine ou directement à la fin du mois. Donc on va re-remplir le Filofax pour cette semaine, vous allez voir, donc ça va être assez rapide. Donc 50, 70, 90. Donc nous sommes le 22-08, dépôt 90 €. Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Donc ça c'est fait. Donc moi je suis partie sur 4 semaines. Hein. Donc dernier remplissage la semaine prochaine. Je ne sais pas si je referai mon remplissage dans la foulée. Je vais voir comment je m'organise. Je vais mettre 20 € en alimentation puisque mes collègues reviennent de vacances. Donc on va peut-être aller se prendre quelque chose du coup à emporter. Peut-être une voire deux fois dans la semaine. Les nouvelles enveloppes vont arriver. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous les mettre.
puisque je vais avoir une période au mois de septembre où je vais devoir fermer ma boutique puisque je ne serai pas chez moi. Je dois partir 15 jours à Lyon en formation. Donc, je ne sais pas trop encore. Il faut que je réfléchisse à l'organisation pour terminer toutes vos commandes. Et puis, en même temps, vous sortir les nouvelles enveloppes. Alors, je sais pas encore. Il faut que je m'organise, savoir comment je fais. Est-ce que je vous le fais à mon retour de formation ou pas? Sachant que durant cette période de 15 jours, je ne pourrai absolument pas faire de commandes. Parce que je vais être à l'hôtel et que le soir et que ça va être compliqué. Enfin, j'ai pas très envie d'emmener tout le bazar, on va dire, pour faire du coup vos commandes. Je préfère être à jour avant de partir. Et puis voilà, si ou je vais peut-être laisser la boutique ouverte pour mon retour. Et puis faire vos commandes à mon retour. Je sais pas encore comment je vais m'organiser. Je vais réfléchir à tout ça au calme. Et puis vous donner tout ça comme réponse. La semaine prochaine, ça serait pas mal, comme ça au moins vous saurez. Donc, loisirs et sorties, je remets 10 euros. Entretien, hygiène, eh bien, je remets rien. Il nous reste 20 euros pour finir le mois. Maison et jardin, je ne remets rien également. Je ne sais pas si j'en aurai besoin ce mois-ci. Et puis, d'hiver, eh bien, d'hiver, on va mettre 20 euros. Donc, nous sommes le 22. Tac, tac, tac. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de poster la vidéo avant mercredi. Je vous avoue que ça risque d'être un petit peu compliqué. Même si je l'ai tourné, voilà, on est dimanche. Même si je l'ai tourné dimanche. Puisque, donc santé, je ne remets rien. Puisque j'ai pas mal, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et que lundi, je suis en repos et que je vais me consacrer à vous envoyer pas mal, pas mal, pas mal de commandes. Donc du coup, je pense que je vais voir peut-être mardi pour effectivement mettre la vidéo en ligne, ça serait pas mal. Sinon, bah, je la mettrai mercredi, donc avec un petit peu de chamboulement. Il faut que je réorganise pas mal de choses donc au niveau de mon emploi du temps. Donc c'est un petit peu le chamboulement, il faut tout se recale. Donc ça va revenir à la normale. Voilà, bah en tout cas, moi j'espère que vous avez fait des petites économies aussi cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien, à bientôt.